tout le monde. Hallo alle zusammen. Ich habe parler devant tout le monde, je vais essayer. Ich kann nicht vor vielen Menschen so sprechen. Il y a à peu près deux mois de cela, j'étais à mon lieu de travail, je travaillais à l'hôpital. Es war vor zwei Monaten, da wo ich arbeite, es war im Krankenhaus. J'avais eu un patient, il arrivait à l'hôpital parce qu'il était, enfin, il n'arrivait pas à se lever seul, il n'arrivait pas, en fait, il n'arrivait pas à se lever. Et il avait... Ein bisschen näher an dem Mund. Donc, yeah. le monsieur, il n'arrivait pas à se lever seul. Der Mann konnte nicht von selbst aufstehen. En fait, il avait un AVC, donc un accident vasculo-cérébral, le Schlaganfall. Er hat einen Schlaganfall. Et... enfin, on a fait des examens, on a trouvé en fait que toutes ces artères, c'est-à-dire il y a deux artères normalement qui vont au cerveau, il y a une qui était complètement bouchée. Aber wir haben gesehen, dass alle Sehnen, die zum Gehirn gehen, die waren verstopft. Et une autre artère était pratiquement bouchée à 60-70%. Und eine war zu 60-70% verstopft. Donc le monsieur avait une hémiplégie, enfin il avait la main gauche, elle ne fonctionnait pas. Also der linke le pied, enfin. Also die komplette linke Seite hat nicht mehr funktioniert. Arm und Fuß. Le monsieur il arrivait en fait dans la nuit, j'étais pas encore là, et toute sa famille avait, enfin ils étaient fâchés parce qu'ils ne s'étaient pas occupés de lui. Also während der Nacht war ich da, aber die Familie von dem Mann war sauer, weil die meinten, wir hätten uns nicht um ihn gekümmert. Et quand je suis arrivée dans le lendemain, pendant la visite, je trouve toute la famille, enfin les yeux foncés, fâchés. Und am nächsten Tag während des Besuchs gab, habe ich gesehen, dass die Mitglieder der Familie sehr böse waren. Man hat das am Gesicht angesehen. Mais quand je suis entrée dans la chambre, la femme du monsieur, dès qu'elle m'a vu, elle s'est calmée. Avant même que je n'ai commencé à parler, après me dit. Aber als ich ins Zimmer reingegangen bin, die Frau hat ihr Blick geändert und war ganz ruhig, bevor ich sogar etwas gesagt habe. Elle me dit, dès que je vous vois, je sais que tout va bien aller. Wenn ich dich sehe, dann weiß ich, dass alles gut laufen wird. Je n'ai pas compris, j'ai juste souri. Ich habe mich verstanden, ich habe nur gelacht. Sie sont plus fâchés, ça va. Ich habe mir gedacht, okay, wenn sie nicht mehr böse sind, dann ist es umso besser. J'ai parlé à la femme du monsieur peu pendant longtemps, je lui ai expliqué sa maladie. Enfin, ich habe die Frau von dem Kranken die Krankheit erzählt. Après, il y a une voix qui me dit dedans, va parle à la femme à côté, pas dans la chambre, parle à la femme à côté. Dann habe ich eine Stimme gehört und die hat mir gesagt, ich soll die Frau zur Seite nehmen, nicht in dem Raum. Donc j'ai pris la femme à l'extérieur. Ich habe die Seite genommen. Je lui ai demandé, vous êtes chrétienne? Ich habe sie gefragt, sind Sie Christ? Et puis elle enthousiaste me dit, oui, je suis chrétienne. Sagt sie mir, ja, ich bin Christin. Donc ça en fait, j'étais un peu libérée dans le cœur, je lui ai dit, bon. Und da war ich ein bisschen befreit. Donc je suis allée dans une autre chambre encore, je me suis assise avec elle. Dann sind wir in einen anderen Raum gegangen, haben uns hingesetzt. J'ai parlé à cette femme en allemand pendant, je sais pas, 30 minutes. Habe ich auf Deutsch gesprochen, ging so ungefähr 30 Minuten lang. On parlait du Christ. Wir haben über Christ gesprochen, über Jesus. Vraiment, c'est difficile pour moi de parler parfois en allemand. C'est pour vous dire que c'était pas moi en fait qui sortait, c'était pas moi. Also, ich habe nicht die Gewohnheit, auf Deutsch zu sprechen. Also, das war also nicht ich, der dort gesprochen hat, auf jeden Fall. Donc, j'étais en train d'évangéliser sans comprendre en fait ce que je comprenais pas. Ohne zu verstehen, was ich tue. Et puis, à un moment de la conversation, j'entends une autre voix qui dit arrête de parler, maintenant tu pries. Ça dit pas dans deux minutes, maintenant tu pries. Und während der Unterhaltung habe ich eine Stimme gehört, die mir gesagt hat, jetzt sofort auf zu sprechen, aber ihr müsst jetzt beten. J'ai demandé à la dame est-ce que je peux prier pour vous, pour votre mari? Ich habe die Frau gefragt, kann ich für sie und für ihren Ehemann beten? Et puis, elle a dit oui, on peut prier. J'ai donc pris ses mains. Sie hat akzeptiert, ich habe ihre Hände genommen. Et on s'est mis, en fait, c'est moi qui me suis mise à prier. Und ich habe angefangen zu beten. Je prie pas souvent en allemand, je prie toujours en français. Ich bete selten, also fast nie auf Deutsch, aber immer französisch. Mais je vous assure que tout ce que j'ai prié ce jour-là avec cette femme, j'ai prié en allemand. Ich vergewisse euch, alles was ich gebetet habe, war auf Deutsch an dem Tag. Les mots même que j'ai, enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai juste prié en allemand. Also ich kann euch erklären, aber ich habe einfach nur auf Deutsch gebetet. Bon, enfin, elle repartit. Le soir maintenant, quand je rentre à la maison. Also sie ist dann gegangen abends, als ich zu Hause war. J'ai expliqué la situation à une sœur qui est ici, avec qui on prie souvent. Ich habe die Situation einer Schwester erklärt. On a encore prié pour le même monsieur. Wir haben nochmal zusammen gebetet für den Mann. Et puis bon, le monsieur, je l'ai envoyé à la maison quoi. Da habe ich den Mann wieder nach Hause geschickt. En Réa. Habe ich ihn zur Réa geschickt. Avant de l'envoyer, la dame m'a donné son numéro de téléphone. Elle m'a dit.
Appelez-moi. Bevor ich ihn geschickt habe, hat die Frau mir die Nummer gegeben und hat mich gebeten, sie anzurufen. Je me suis appelé il y a deux mois de cela. J'ai parlé. En fait, j'étais venu chez Papa Patience. On priait. Je priais. Je voulais qu'il prie pour mon fils. Il a prié pour mon fils, mais. Ich habe mich erinnert, vor zwei Monaten war ich bei Papa Patience, habe ihn gefragt, kannst du bitte für meinen Sohn beten? Und wir haben gebetet. Après, il m'a donné un mot comme quoi. Le Seigneur veut que tu t'occupes des orphelins. Und er hat mir gesagt, der Herr möchte, dass du dich um Waisenkinder kümmerst. En fait, quand tu as dit, j'ai rien compris. Hein. Je c'était pas. Enfin, also er hat gesprochen, ich habe das nichts verstanden. Mais le jour, ce monsieur, enfin le monsieur qui avait le Schlaganfall, le jour, il était à l'hôpital, je lui parlais. An dem Tag, wo ich diesen Mann gesehen habe, der einen Schlaganfall hatte, habe ich ihn angesprochen. Quand le monsieur m'a dit et sa femme prend mon numéro de téléphone, j'ai compris en fait ce pourquoi, ce que Papa Patience avait dit. Als die gesagt haben, nehmen Sie unsere Nummer, da habe ich verstanden, was der Bruder Patience uns gesagt hat. Donc je devais prendre quelque chose chez les gens pour amener aux orphelins. Also ich müsste etwas bei den Leuten nehmen, um den Waisenkindern zu geben. Pas seulement, c'est moi qui dois m'occuper des orphelins tout seul, mais prendre quelque chose. Ich muss mich nicht nur selbst kümmern, aber ich muss auch etwas nehmen. Et c'était un message extrêmement clair. Und es war eine klare Botschaft. Donc, un mois après, enfin à peu près un mois. Ungefähr ein Monat später. J'ai pris le numéro de téléphone, j'ai essayé d'appeler la dame, j'ai pas pu la voir. Ich habe versucht, sie anzurufen, ich habe sie aber nicht erreicht. Je crois une semaine encore, pour quelques jours après, j'ai encore essayé d'appeler. Ein paar Tage später habe ich nochmal versucht. J'ai eu la dame au téléphone. Ich habe sie erreicht. Je vous assure, il est pratiquement impossible de se faire soigner d'un Schlaganfall, surtout quand les artères sont bouchées. Ce n'est pas possible. Also, il y a un autre médecin, si tu peux dire la même chose, also, ce n'est pas possible. Ich kann euch sagen, das ist unmöglich, wenn eine Person einen Schlaganfall hat und seine Sehnen zu 70% verstopft sind, dass er geheilt wird. Donc, la première chose que la dame m'a dit au téléphone. Das erste, was die Frau mir am Telefon gesagt hat. Merci beaucoup, mon mari n'a plus rien. Danke schön, mein Herr hat nichts mehr. Mein Mann hat nichts mehr. Er hat nichts mehr. Mon mari peut se lever. Mein Mann kann aufstehen. Il n'a plus de Schwindel. Il n'a plus de vertige. Il n'a plus de paresse. Und keine Faulheit mehr. Il est voll, enfin, il est voll berufstätig. Amen. Il peut travailler lui-même. Ça dit, il n'y avait plus rien. Ça, also, et la dame m'a dit, si vous n'aviez pas appelé, j'allais me présenter à l'hôpital, j'allais vous demander, et j'allais me présenter avec mon mari, guéri totalement. Und die Frau hat gesagt, wenn sie mich nicht angerufen hätten, hätte ich mich im Krankenhaus vorgestellt mit meinem gesunden Mann. Ce que nous on ne sait jamais, c'est quand une maladie arrive, on prend toujours ça très négativement. Wir sehen, als eine Krankheit kommt, nehmen wir das sehr negativ auf. Cette femme et ce couple, c'est un couple à peu près de, je peux dire dans les 55-60 ans. Also dieses Ehepaar, die sind ungefähr die 50 Jahre alt. Le mari travaille toujours très loin. En fait, il travaille à Regensburg et la dame est pas très loin de Passau. C'est à peu près 100-150 kilomètres. Also der Mann pendelt 150 Kilometer zur Arbeit. Donc il n'était pas à la maison régulièrement comme une femme aimerait voir son mari. Also der war nicht regelmäßig zu Hause wie eine Frau das erwartet. Et ça faisait des problèmes déjà dans leur couple. Und die hatten schon Probleme in ihrer Ehe deswegen. Là où je dis quand le bon Dieu agit, quand il pose un miracle quelque part, ça se suit toujours. Ça dit, il pose pas un, il pose deux, il pose trois, il pose une chaîne. Also wenn der Herr ein Wunder bewirkt, dann ist es nicht nur eine, aber es ist eine Kette. Dann kommen zwei, drei, vier hintereinander. Cette femme m'a dit, nous avions eu besoin, en fait j'ai eu besoin dans mon couple de ce Schlaganfall, parce que ça a ressoudé toute la famille. Ça a ressoudé tout, c'est-à-dire le couple, la famille, les enfants, tout le monde. Ils sont plus soudés qu'avant. Amen. Die Frau hat gesagt, wir haben diesen Schlaganfall benötigt, damit unsere Familie wieder eins wird, vereint wird. Ça c'est une autre partie, c'est pas tellement la plus importante, mais c'est que les gens comprennent aussi ce que je vais dire là tout à l'heure. Das ist ein Teil. Maman Marceline, je connais aujourd'hui votre nom. L'affaire de compte, numéro de compte que vous avez dit là, j'ai eu la même révélation il y a un an à peu près. Also, Schwester Marceline, diese Offenbarung, die du bekommen hast, wegen den Kontennummern, die habe ich ungefähr vor einem Jahr auch bekommen. Et la dame, la dame, son nom, disons madame L. Also die Dame. Quand la dame et son mari sont venus à la ils sont revenus à l'hôpital, elle est revenue avec une enveloppe. Als das Ehepaar zurück, als das Ehepaar wieder im Krankenhaus war, sind sie mit einem Briefumschlag gekommen. Parce qu'ils avaient promis, en fait, ils voulaient aider, ils avaient promis. J'ai dit, quand je vais recevoir, je ne sais pas encore où il faut aider. Donc, je ne peux pas prendre quelque chose sans savoir où je vais donner. Donc, quand je saurai, je vais appeler. En fait, c'est peut-être pour ça que j'avais appelé. Also, ich wusste noch nicht, wo ich etwas bekommen kann, um zu helfen. Ich habe mir gesagt, okay, an dem Tag, wenn ich etwas bekomme, dann werde ich helfen. Vielleicht war es der Grund, warum ich angerufen habe.
J'ai vu le monsieur de mes propres yeux. Ich habe diesen Mann selbst gesehen. Il avait rien, c'est-à-dire, il était gesund, total gesund. C'est-à-dire, je l'ai vu. Il war total gesund, komplett guéri. La dame m'a donné l'enveloppe. J'ai dit, j'ai remercié. Je lui ai dit vraiment, il faut remercier le bon Dieu, même pas c'est le bon Dieu même qui vous a guéri. C'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Et j'ai eu la révélation moi-même que c'est lui qui vous a guéri. Und ich habe der Frau gesagt, dass sie müssen den Herrn Jesus Christus danken, weil er hat sie geheilt. Maintenant, à la fin de la journée, j'ouvre l'enveloppe, je trouve les billets verts. Je n'ai pas, je vois pas 100 euros tous les jours. Also, ich habe diesen Umschlag aufgemacht und ich habe grüne Scheine gesehen. Ich sehe nicht jeden Tag 100 Euro Scheine. Il y avait 10 billets de 100 euros dedans. 10 100 Euro Scheine drin. Quand je suis rentré moi à la maison, je tremblais parce que je me disais ça c'est l'argent du Christ. Und ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, das ist Gottes Geld, das soll nicht bei mir übernachten, das soll nicht bei mir bleiben. Et je savais que j'ai reçu cet argent pour soutenir le truc des orphelins. Und ich wusste, ich habe das Geld bekommen, um die Waisenkinder zu unterstützen. Amen. Que le bon Dieu soit guéri. Le bon Dieu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Heute, morgen und in Ewigkeit. Quand il dit qu'il guérit, il guérit. Wenn er sagt, er heilt, er heilt. La guérison du Christ, elle est sans séquelles. Amen. Also die Heilung von Christ ist ohne Fehler. Amen. Amen. Oh.